tout le monde, je suis sur une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo on va dire un peu spéciale. Donc j'ai décidé de faire des vidéos, des différents objets si on peut dire, de l'équitation. Donc premier objet c'est sur le gilet de protection. En n'ayant pas vraiment un niveau expérimenté, je vais quand même vous dire mon avis sur... Donc les gilets de protection, donc moi je vous ai déjà présenté dans mes affaires d'équitation, donc c'est le Smart Rider. Donc voilà. Premièrement, donc je pense que comme vous le savez, il existe différents types de gilets. Donc il y a le, j'étais voir tout à l'heure, il y avait le gilet le gilet, enfin la coque dorsale, là le gilet de crosse. Donc qui ressemble approximativement, je ne sais plus parler, à celui-là, enfin celui qu'on peut plus bouger, voilà, l'articulable, si je dis pas de bêtises, enfin bref, enfin il existe plusieurs, il y en a un, ça fait pas non plus si hyper longtemps qu'il existe, enfin on en parle moins. Enfin c'est un qu'on en voit moins parce qu'il coûte plus cher, c'est l'airbag. Donc avec l'airbag, donc dès qu'on tombe, ça fait comme l'airbag des voitures, voilà, ça se gonfle et voilà. Comme ça en fait quand on est à cheval, on n'a pas genre le gros truc là, donc c'est comme un gilet normal. Et en fait quand on tombe, ça devient l'airbag, enfin voilà, ça se gonfle plus. Donc voilà, mon avis sur n'importe quel, enfin moi je vais prendre celui que j'ai. Donc moi depuis que j'en ai acheté un, donc ça veut dire, je ne sais plus quand, je pense, enfin début de l'année passée ou pendant les vacances de l'année passée, un truc dans le genre, je l'utilise tout le temps, voilà, que ce soit en dressage ou en saut, enfin même si je commence pas vraiment en saut, enfin... Voilà, enfin en stage, oui, mais voilà, je pense, enfin de toute façon, même quand je vais commencer saut, je continuerai à mettre mon gilet de protection en dressage et en saut où je suis, c'est obligatoire. Voilà. Donc même en dressage, parce que je me dis, les chutes, elles peuvent être plus graves qu'en saut, voilà, des fois. Donc voilà, donc je me sens encore plus en sécurité et donc du coup en fait je suis plus, je sais pas comment expliquer, mais je suis plus confiante, voilà, parce que je me dis je suis en sécurité, donc enfin en sécurité, voilà, mais j'ai déjà un truc, voilà, qui peut me protéger, donc jusqu'au coccyx, donc trou d'eau, la cage thoracique, voilà, vous voyez bien un coup. Donc voilà, donc je suis déjà un peu plus sereine, on va dire, malgré que c'est, voilà, on sait toujours qu'il peut y avoir, voilà, on sait pas ce que ça nous réserve des fois le cours, hein. Des fois on arrive, on est tout content, et à la fin du cours, on se retrouve par terre, voilà, bref. Donc voilà, donc je me sens, je pense, plus confiante depuis que j'en ai un, donc avant j'en avais pas, où j'étais avant, on n'était pas obligé. Mais je trouve que ça devrait être comme, presque obligatoire comme la bombe. Voilà, parce que la bombe, voilà, c'est très important. Il y a nos petits bleus séquins qui a fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur le port de la bombe. C'est vrai que moi, enfin personnellement, moi je la mets tout le temps. Voilà, je ne suis pas propriétaire de cheval, donc voilà, j'ai fait une compétition avec un cheval et tout ça. Mais elle a fait une vidéo et c'est plus vers les propriétaires ou les demi-pensions. Ou même, enfin voilà, quand on a un cheval qu'on connaît très bien ou comme ça, je pense que si les gens font ça, c'est qu'ils doivent quand même le connaître bien. Ce cheval, c'est de monter sans bombe. Moi, forcément, je suis contre quand même ça parce que, voilà, on sait jamais. Voilà, c'est vrai que y en a beaucoup, il y a même des tubeuses qui font ça et voilà, mais voilà. Moi, franchement, voilà, la bombe, c'est obligatoire, voilà. Donc voilà, et le gilet de protection, pour l'instant il n'est pas encore forcément obligatoire, mais c'est vrai que déjà moi je me sens personnellement plus en sécurité. Et voilà, malgré que ce soit moins confortable, voilà, je vais bifurquer sur ça. C'est
c'est son plus gros inconvénient, je pense. C'est que ben on a un truc sur nous qui est gros, enfin à part genre des pulls ou des t-shirts, voilà, bon ça voilà, c'est logique, bah ça on est le mouvement, c'est voilà. Mais quand on a ça sur ça, donc c'est quand même des enfin voilà, c'est quand même gros, enfin voilà. Bon c'est rigide quand même, enfin on peut bouger. Mais c'est vrai, on a un truc comme ça, c'est. On est moins libre de mouvement qu'avec d'autres choses. Par exemple, moi, quand on avait fait de la voltige, en voltige, voilà, on pas avec nos. J'ai le protection. Rappelez ça comme vous voulez, hein. Parce que. Donc je ne sais pas, mais bon, c'est moins confortable déjà pour faire tous les mouvements, mais bon, on a notre bombe. Et quand je me suis dit, je vais monter à cheval sans mon gilet, en sachant que ça fait depuis maintenant que je l'ai, jusqu'à même maintenant. Toujours monte avec et c'était un peu bizarre parce qu'on se retrouve là, on a l'impression qu'on est nu, on va dire. Comme si dans une voiture on mettait pas sa ceinture. C'est. Voilà, bref. Donc voilà, je pense que c'est son seul inconvénient, c'est pour les mouvements. Voilà. Maintenant, en quelle discipline c'est mieux le mettre. Enfin, je pense que à part dressage, c'est. Non, à part dressage, dans tout en fait. Voilà, dressage on peut mettre aussi, hein, bien sûr, mais je pense que à part la discipline dressage qu'on peut dire non, on va pas mettre, je pense que dans les autres, voilà, ça devrait être obligatoire, on va dire, enfin, voilà. Surtout le cross, je pense aussi, enfin voilà, même d'autres, hein, mais voilà. Je n'ai pas un avis de professionnel ou de fille qui a un plus haut degré. Haut niveau d'équitation, mais moi c'est mon point de vue. Avant je mettais pas ça et voilà au début, et maintenant je me dis tout le temps, et donc voilà, en sachant qu'il y a différents prix, il y a des plus chers, des moins chers. Ça c'est pas le moins cher, c'est celui de Fugenzac, enfin celui que je connais et que je sais qu'il est moins cher que celui-là. C'est celui de Fugenza, donc ça c'est juste avec juste les scratchs. Donc en fait c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'il n'y a pas, genre on voit pas les cadrillages, on va dire, c'est, voilà. Je vous mettrai peut-être une photo ici. Et il n'y a pas la tirette. Il est moins. Je pense que dès qu'on a fait une grosse chute, il faut peut-être le changer. C'est ce que j'ai vu sur le site Decathlon, je pense. Celui-ci il est déjà beaucoup mieux, voilà, mais bien sûr dès qu'ils sont à moitié cassés et tout ça, il faut mieux en racheter un, voilà. Faut quand même mettre le prix sur ça, bon moi je trouve qu'il est très très bien pour son prix tout ça, mais voilà, si vous faites des plus hautes compétitions que moi, voilà, essayez de mettre quand même le prix, c'est votre sécurité, voilà. Moi avec ma bombe j'ai reçu un petit carnet Pepsi, voilà, voilà. Et donc il y a des explications aussi, ça c'est l'espagnol, voilà, et justement là, le rangement est un traitement parce qu'il faut entretenir ça, pour moi voilà, un petit peu de brosse ça va encore, mais voilà. Je suis déjà tombée avec sur bambou à cause d'un étrier. Super. Enfin bref, on s'en fout. C'était pas de la faute de bambou. Donc je suis tombée. Donc j'ai senti le choc. Mais franchement, j'ai rien eu. Ça avait tapé, je pense, sur mon dos, mon bas du dos. Et ça avait juste tapé en fait sur mon gilet. Donc en fait, j'avais rien eu. Alors, j'aurais peut-être pu avoir quelque chose de plus grave, ou j'aurais peut-être plus eu mal en n'ayant pas le gilet de protection, voilà. S'il y en a qui veulent dire d'autres choses dans les commentaires, si eux ils sont pour ou contre, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de contre, parce que franchement, à part qu'on n'a pas vraiment, enfin on est moins libre des mouvements, c'est une très bonne chose, c'est pour notre sécurité. Voilà, dites-moi en commentaire sur d'autres vidéos de ce genre-là. Donc par exemple, enfin voilà, je sais pas, la cravache,
Enfin, voilà, je ferai pas une vidéo sur les éperons parce que bon, ça on voit beaucoup de trucs sur les éperons. Je me suis mal placée pour parler de ça parce que j'en mets pas. Et sauf si dans très longtemps, quand j'aurai un plus haut niveau, j'aurai un cheval ou une demi-pension, si mon cheval en a besoin, voilà, je ferai l'achat. Mais moi personnellement, voilà, j'ai peur d'être brusque dans mes mouvements. Voilà, voilà, donc je ferai vraiment des trucs. Je suis encore bien placée pour vous en parler, même si j'ai pas un niveau de ouf. Donc voilà, cette vidéo est finie. Voilà, malgré mon niveau qui est pas non plus hyper élevé, j'avais envie quand même de vous parler. Bientôt, je ne sais pas quand, je vais filmer une vidéo en partenariat avec une amie à moi. Voilà, on est sur Instagram. Voilà, je ne vous dis pas c'est qui, je ne sais pas pourquoi. Voilà, bon, c'est un truc tout bête et tout basique et un truc qui vient de commencer. Mais voilà, je suis contente, malgré mon niveau, enfin, je ne mets pas ce document là, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.